Bonjour à tous, bienvenue dans les pires mots dans le carnet, la vidéo traditionnelle de votre rentrée. Olé, heureusement qu'il y a une caméra sur le côté pour me sauver cette séquence. Je suis accompagné d'Étienne, je suis accompagné de Thomas. Salut. Vous nous avez envoyé sur l'outil Twitter vos pires mots dans le carnet. On rappelle, disclaimer, on n'encourage pas les comportements dangereux, les comportements de merde, les comportements... Voilà, mais des fois vous avez fait des petites dingues mignonnes qui méritent peut-être un coup de projecteur aussi pour vous dire que vous êtes des vilains, bien sûr. Bah c'est parti, c'est ma petite vidéo. Mon petit bonbon à moi, et c'est la première fois que je suis pas tout seul. 10 épisodes qu'il a fallu attendre. Qu'est-ce qu'on s'emmerdait jusque-là. Tu n'es pas tout seul. Je suis malade, j'ai à peu près 39,7 de fièvre, et je suis sous paracétamol et caféine. Il nous reste donc 42 minutes avant que je sombre. Cette vidéo est sponsorisée par le réseau social Wiz, qui permet de te connecter avec des gens qui sont dans d'autres établissements que toi. C'est maintenant, merci à eux. Ok, le moment le plus attendu de l'année est arrivé. La rentrée, la reprise des cours, la fin des vacances, le plan de classe. Horrible. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a Wiz. Un réseau social totalement gratuit qui te connecte avec tes potes et tous les établissements de France, voire du monde. Parce que c'est vrai qu'on prend pas assez de nouvelles de Kaito, 16 ans et demi, qui fait sa rentrée à Tokyo comme toi. Et oui, bah maintenant tu peux lui parler. Voilà. D'autant que selon Wiz, il a plein de centres d'intérêt en commun avec toi. Tout comme ces 1087 personnes qui ont matché aléatoirement avec toi, stylé. L'appli est très sécurisée, les profils sont vérifiés et tu parles avec des gens qui ont en gros ton âge. Le but c'est de se faire des amitiés solides pour aborder librement les sujets qui te tiennent à cœur. Comme par exemple, pourquoi Léa, elle m'a largué, j'ai besoin d'en parler, s'il te plaît, Kaito. Ouais, il est encore là. Alors, commence ta rentrée avec une appli bienveillante, télécharge Wiz avec le lien en description. Et en plus, ça soutient massivement cette chaîne YouTube. Merci à ceux qui prendront le temps. Bonne vidéo, merci Wiz. On tente un truc. Le problème, c'est que dès que je vais passer un mot suivant, on va tous lire. Si vous me regardez, ouais. Et après vous regardez le truc, ça peut être bien. Tu vas y arriver, toi. Ouais, t'inquiète. Moi, c'est une longue lettre. Bon, c'est mes petites pépites, il est en train de lire. C'est un délire. Il en est, mais incapable. Mais je veux savoir. Moi, mes petites pépites, mes petits bonbons, c'est l'internat. Parce que l'internat, c'est un autre monde, c'est un métavers en parallèle de l'établissement scolaire où il se passe des dingues bien plus importantes. Donc, quand il y a marqué exclusion temporaire de l'internat avec une lettre qui est l'équivalent de la lettre que Harry Potter a reçue pour aller à Poudlard, hein, ouais, on est sur plusieurs paragraphes. Bon, bah forcément, ça m'intéresse un petit peu. On est parti. Je vais juste dire que quand il y a ce petit logo en haut, c'est la merde. Oh oui. Bon, avec toutes les lettres que je reçois avec ça, c'est pour me réclamer des pognons. Waouh. Ça, ta carrière commence mal. Hein. Tu vas sûrement finir en zonzon. Hein. Quand t'as un bleu, blanc, rouge à 14 ans. Je vous informe que votre enfant, Lila D, élève de terminale Marvi, parce que maintenant les terminales ont des petits noms, a été signalé pour le motif suivant. Lila a pénétré dans l'internat mercredi 14 juin 2023, c'est extrêmement récent, avec un camarade, a allumé l'ampli et le micro d'un local interdit aux élèves et a diffusé dans tout le lycée des bruits de paix alors qu'un examen national se tenait, faisant courir un risque de recours de la part des candidats. Oulala. En application du règlement intérieur, j'ai le regret de vous signaler que je suis dans l'obligation de prononcer une explosion, ça va, il se fait virer juste de l'internat alors qu'elle a peut-être gâché la carrière de 150 médecins. On mérite une médaille. Ouais. Pas un mot. C'est ce que je me tue à penser, mais que je ne dis jamais tout haut depuis 10 épisodes. Moi, ça me relance, mais franchement, ah ouais. Ça me donne une énergie. Évidemment. Je racontais une anecdote à Thomas dans l'avion. Attention, spoiler alerte, l'anecdote est pas dingue. Ma prof de maths en troisième, elle passait genre sa troisième dan de maths, tu vois. Je sais pas comment on dit, mais genre elle était déjà ceinture noire et elle en rajoutait c'est encore. Son cassesse. C'est tellement concurrentiel qu'elle avait raconté à la classe que du coup, en fait, tous les types sont tellement des tueurs en maths qu'il y a plus de différence en fait. Et du coup, un des concurrents avait sorti du pâté, la tranche, le couteau, le pain, les corniches, avait diffusé une odeur de pâté dans toute la salle, ce qui n'est pas interdit par le règlement intérieur. Oui, parce que t'as le droit de bouffer. Après, tu peux bouffer peut-être un sandwich Triangle Sodebo comme tout le monde, fais pas chier. Et du coup, bah ça avait déconcentré plein de gens et sans doute qu'il avait gagné des places grâce à son pâté. Elle était si nulle que ça? Bah non, moi personnellement, elle m'a épaté. Oh là là, mais hey, oh. Madame, monsieur, j'ai trouvé Alexandre utile. J'ai trouvé Alexandre utilisant la montre connectée d'un camarade. Jusque-là, ça va. À la récréation de 10h20, en train d'appeler le kebab. Car je cite, bah quoi, je veux un tacos libanais. Si j'appelle après les cours, il sera pas prêt. Le comportement est à revoir, il se fait énormément remarquer. Merci cordialement, Laura, assistante d'éducation, référente de 5e F. On l'a. Salut, c'est très précis comme poste. Ça fait beaucoup. J'ai envie que les gens sachent précisément de qui on parle. Moi, je trouve que ça démontre un gars qui est hyper bien organisé. Moi, un type comme ça, je l'engage en chargé de prod. Juste, je trouve que ce comportement est génial. Il veut son kebab à l'heure pour pas perdre de temps le midi, c'est quoi le problème? Il a pas été particulièrement désagréable avec les instances. Non. Après, s'il a passé un coup de fil avec la montre connectée en plein cours, on peut comprendre qu'il était pas dans la récréation. Ah, mais c'est pendant la récré.
Mais non. Vas-y, mais l'assistant de Laura là. Bien sûr. Bien de faire en. Attention. C'est peut-être en fait une accumulation de choses et il y a ça en plus. Et le bakwa pour démarrer une phrase face à un adulte référent d'éducation 5MF. Attention au bakwa les amis. Et aussi, le tacos libanais ça n'existe pas. Oui, c'est vrai. Faut arrêter d'inventer des plats, Alexandre. Donnez à l'élève Léa. Léa, attention à toi, putain. Dis à son voisin qui vient de rater son exposé, tu finiras éboueur. Inadmissible. C'est Léa, elle a un peu tricoté son papa. En tout cas, Léa, elle finira sans doute conseillère d'orientation, ça c'est sûr. Tu finiras éboueur. Cette phrase corrélée à la phrase il n'y a pas de sous-métier, bien sûr. Bah surtout que ça paye. Non, mais éboueur, on a vu il y a pas très longtemps que c'était quand même très utile à la société. Oh, à un moment donné, on peut faire les malins, il n'y a pas d'éboueur. Les éboueurs, quand vous arrêtez de bosser, on le sent bien, 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 bien. Non, j'ai un vrai truc, moi. Peut-être son exposé c'était un truc pour dire qu'il plus tard il voulait être éboueur. Il l'a pas réussi, elle lui a dit non, t'inquiète pas, tu finiras éboueur. De quoi elle qu'il est, arrive. Elle est trop sympa. L'encourager. C'est sûr. Tu es fait pour ça. Exclusion temporaire. Mec, regarde, excuse-moi, c'est Poudlard. Regarde les cuissons en haut à gauche. Tu as envie de voir une équipe de Quidditch avec ça dessus? C'est évident. Le conseil disciplinaire a prononcé à son encontre la sanction de l'exclure pour une période d'une semaine. Chiant, c'est chiant, énorme. Chiant. Au motif que l'élève a commis des faits d'introduire deux bouteilles d'alcool qu'elle a identifiées comme étant de la vodka dans l'enseigne de l'internat et les avoir versées dans la fontaine à eau. Ce qui a causé l'intoxication de plusieurs élèves. C'est inacceptable, ça entrave le bon fonctionnement de l'entreprise. Oui, j'imagine. Pour ces raisons, il ne sera pas autorisé à rentrer sur le campus du collège. Attends, quand tu te prends un mot dans le carnet et qu'il y a le terme tribunal administratif. Ouais, non, ça pique. Oh. Non, on parle de deux bouteilles de vodka et on est au collège. Enfin, il y a quand même des gamins de 12 ans, quoi. Bah, je sais pas, on est au Canada. Est-ce qu'au Canada, collège, c'est comme nous? Ah, merde. Autant pour moi. J'avais pas vu. Parce que j'ai tout lu. Non, je pense que du coup, t'as raison. Mais par contre, en vrai, c'est pareil aussi. Genre, normalement, quand tu prends un verre d'eau à la fontaine et tu fais ça, tu fais. Il y a un problème, c'est pas de l'eau. Enfin, je pense que personne s'est vraiment bourré la gueule au point de. Bah, 2 litres de vodka, c'est fort. Oui, non, mais personne les a bu, quoi. Suivant. J'apprends par Lucas ce matin que je suis très mignon. Cette information n'était pas à communiquer pour d'évidentes raisons de respect. Je suis bien d'accord. On sait pas ce qu'il dit, c'est à double sens, il est fort. Ah, waouh. Vous avez déjà été amoureux de vos profs, vous? Amoureux, non. Mais me taper ma prof de latin, ça m'a traversé l'esprit, quand même. Ah, c'est plus espagnol. Il y a l'accent, je sais pas, ça rend fou, quoi, ça rend dingue. Cállate, Thomas. Oh, putain. Bah, il y a vraiment une prof de physique, mais qui s'habillait, mais en latex, full latex, avec des talons, mais c'était des épées, gros. Circonstance. Devant d'autres élèves, Leïs fait semblant de sniffer de la cocaïne en aspirant par le nez du smecta. Ensuite, Ileïs met de la harissa sur la bouche et sous le nez de plusieurs camarades. Et ses autres camarades sont très dociles, by the way. Le risque que son comportement soit reproduit par d'autres élèves ou que des élèves victimes puissent avoir des réactions biologiques, c'est un prof des FT qui a écrit. Compliqué suite à l'application forcée de la harissa sur la bouche et le nez et clairement une mise en danger d'autrui. Ouah, c'est très précis. Moi, je ramène ça à mes parents, je me fais déchirer la gueule. Donc, il a fait sa petite démo et après, il s'est dit, vas-y, on fait ça de la harissa et tout le monde a dit, bah ouais, c'est ouf. Mais le mec a un pouvoir, il a une influence. Au collège, c'est souvent comme ça. Lycée, t'as moins de tendance à suivre les mecs un peu cons. Tu te fais un petit peu moins bully. Ouais. Suivant. Alors, premier mot, garde ton dynamisme. Ok, bah c'est pas mal. C'est ni un motif, c'est un encouragement. Voilà, c'est un mot juste positif, ça arrive aussi. Moi, je pense que Monsieur Toquet, c'était un bon prof. Mais de ouf. Papa, maman, j'ai eu un mot. Super, agréable, lève la main quand il parle. Celui-là, tu le fais signer en général. Ouais, t'es content de le faire. Alors, c'est une trilogie, moi j'ai tout lu. Hein. Je vous laisse alors, découvrir la suite. Marius s'enferme dans la salle avec un AED. Qu'est-ce qu'un AED? Et demande un goûter comme rançon. Je lasse Monsieur Goubert contre un paquet de palmito. On a que les petits lus. Merde. Mais l'AED, il est, c'est comment il est quoi? C'est qui les AED? Ils sont nuls. Je suis désolé. Bah celui-là est pas compétent. C'est quoi le dernier? T'as réussi à le lire? Découpe la principale adjointe sans raison. Non, c'est pas des coupes. En fait, il y a une escalade. Garde ton dynamisme, c'était un très mauvais conseil. Fallait pas qu'il le garde son dynamisme. Fallait qu'il le lâche. Découpe la principale adjointe. Non, mais c'est pas ça. Détente. Dérape la principale adjointe. Dérange. Ah. Et merde. Non, découpe. On reste sur découpe. Bah, en même temps, évidemment qu'il a été voir la principale adjointe, il avait pas de réponse pour sa rançon. Le mot d'excuse le plus fou que j'ai donné dans mon parcours scolaire, j'étais en DUT, il y avait des partiels et j'avais fait un week-end à Londres juste avant. Et le trafic aérien européen avait été cloué au sol à cause d'une éruption volcanique. La fameuse avec le nom imprononçable. Le nom imprononçable, ouais. Absolument. Du coup, j'ai demandé à la compagnie aérienne de me faire un mot que j'ai eu, confirmant qu'il y avait une éruption volcanique. Et je l'ai donné et c'est un des plus beaux moments de ma vie. Exclusion temporaire de l'établissement de 2 jours. Lors d'une activité pédagogique en mathématiques, Alexis a noté comme pseudo avale ma queue sur le document à rendre au professeur. Il a de plus ajouté plusieurs éléments orduriers à
caractère sexuel en réponse à certaines des questions. C'est absolument inacceptable et totalement inadmissible. On est un petit peu déçus de pas voir le reste des mots sont englobés dans éléments orduriers à caractère sexuel. J'ai pas le principe de faire ça, genre. C'est du suicide social. C'est lâcher l'affaire. Ouais. Sauf si le mot est assez malin pour passer, genre peut-être le preuve va pas le voir. C'est un jeu c'est marrant. Un défi, ouais. Mais là, ça se voit. Hein. Si je peux me permets, je trouve que c'est dommage qu'il ait pas trouvé une notation à QUE, genre oui. KEU, comme ça, Val Macue, ça aurait été beaucoup mieux. Bien sûr. On donne aussi des conseils. Voilà, pour vous améliorer. Punition! Retenue, 1er avril. Motif insolence, détail des circonstances, fait meuh dans le dos de monsieur. Oh là là, mais non, c'est juste l'explication. Genre, le prof refait la vanne à l'écrit. Parce que le prof, en vrai, qui met ça, il est mort de rire. Puis en plus, le gars a attendu toute l'année, et le 1er avril, il s'est dit là, on a le droit. C'est le moment où on peut. Bah oui, c'est ça. Donc il y est allé. Alors, c'est peut-être un élève très calme. Et il a pris pour tout le monde, parce qu'il a marqué comme ses autres camarades. Il fallait un bouc émissaire. Une pensée émue, encore une fois, pour monsieur Vache, qui est prof des collèges. Mon prof d'espagnol s'appelait monsieur Mouton. J'ai jamais pensé à faire B. Bah, c'est ouf. Ouais. Nous, on avait un monsieur Gallet et madame Rocher. J'ai raconté une blague que s'il faisait un enfant, ça ferait des cailloux, quoi. Ouais. Ok, ok. Ouais. Depuis le début de l'année, Noé n'adopte pas une attitude propice au travail. Il joue, il bricole, il fabrique des avions et même une maison. Bah quoi ? Pour la dent ? Quoi ? Qu'il a perdu. Trop mimes. C'est ce que c'est le nom de sa dent ? C'est un nom composé, c'est Jean Sive. Oh, ça suffit. Ça va vite. À quand le changement de comportement ? Qu'il a promis en septembre. Il a promis un changement de comportement en septembre. En même temps, on est le 3 octobre, c'est lui du temps, merde. J'adore cette négociation, genre. Laissez-moi vivre, je changerai de comportement en septembre. Mais quelle belle idée ! Il a l'air très intelligent, ce petit Noé. Oh, tout à fait. Laissez-le vivre. Putain, mais mec, il a fabriqué un avion. En quoi c'est une bêtise ? Le mec se balade, il joue, il bricole, il fabrique des avions, mais bien il règle la famine dans le monde. Non, le mot, ça pourrait être Noé a conçu le nouveau Boeing et se déplace avec. Alors oui, c'est pas le lieu ni le moment, mais c'est quand même stylé. Il fait avancer la techno, quoi. Mais c'est juste, franchement, c'est que je pense qu'il y a des gens qui ont rien à faire dans le circuit classique et puis c'est tout. Ouais. Noé, il a plein de qualités, ça se voit. C'est des gens, ils sont pas faits pour être assis sur un siège trop longtemps. Excusez-moi, j'ai pas le temps, faut que je fasse avancer l'aéronautique mondiale et puis c'est tout. Le COD, il attendra. Quelques semaines après la rentrée en seconde, je foutais rien dans le cours. Ah, c'est une histoire racontée par quelqu'un, tout simplement. Je foutais rien dans le cours de ma prof principale, qui était proche de la retraite. Devant tout le monde, elle me menace de convoquer mon père, ce à quoi je lui réponds de me prévenir si jamais elle arrive à le joindre. Elle me répond qu'elle parvient toujours à ses fins, elle va chercher mon dossier pour choper son numéro. Elle revient avec le fameux dossier et un gros décédé dans la case des infos du deuxième responsable. Elle s'est pas démontée et m'a répondu cash que j'avais qu'à aller creuser pour le ramener, ce à quoi j'ai répondu qu'il ne devrait pas tarder à se croiser au cimetière, donc ça n'en valait pas la peine. Elle m'a collé 2 heures pour insolence, j'y suis jamais. Ça fait beaucoup, mais je pense qu'il a rendu furibond, le prof. Si cette histoire est vraie, c'est fou. Bah, des fois, tu craques, hein, je veux dire, il y a bien une fois un arbitre de foot en Ligue 1 qui a taclé un joueur. Extrait. Cette image ! Bah, du coup, c'est pareil, quoi. Merci. Suivant ! Lorsque nous étudions la carte de l'Espagne en 1086, j'aime bien le début de ce mot. Dans le contexte de l'étude du Cid, Gabin constate l'absence du Portugal tel qu'il apparaît maintenant sur les cartes. Puis il s'écrit « Tant mieux, parce qu'il y en a partout des Portugais maintenant. » Gabin ne semble pas réaliser que ses propos sont offensants et ne sont pas un humour bienvenu en classe. Gravité de type 1. Gravité de type 1. Le racisme, c'est 1. J'espère que c'est le max. Quand il a plus d'idée, il jette soudainement son sac sur la tête des copains. Toujours Et gravité de type 1. T'as le 2, il doit être costaud. Ouais. Ça va passer un step. Quand même, je vais me mettre tous les gabins à dos. Mais quand t'es gabin, t'as déjà des propensions à être un petit connard. C'est vrai. Les gabins et les Balthazar, globalement. J'avais un Socrate dans mon bahut. Qu'est-ce que vraiment Socrate, quoi. Oh la vache. Il portait bien son nom. Ah ouais, ouais. Moi, juste chiant, il était en marbre. Mais sinon, ouais, juste des allégories et tout. Punition ! Photographie le professeur en cours et le transforme en âne. Ah bah avec Snapchat, maintenant ça va vite, hein. S'exclut tout seul du cours. Là, tu sens que je fais de la merde. Je vais vriller. Ça va venir, là. Je suis en train de faire un avion en papier, une sarbacane à air comprimé, faut que je me casse. Je me connais très bien. Je sens que je vais vous prendre en photo et vous transformer en perruche. Moi, je vous propose 2 heures de colle de 15 à 17 demain. Ce sera plus prudent. Génial. Suivant. Veut faire le suceur, je cite, en vue de la réunion parents-prof. Ça vous dérange pas si je vous suce une semaine avant? Je pense qu'il a surpris une conversation entre ses potes. Oui, c'est ça en fait. Moi, Stras, c'est faire le suceur. C'est vrai qu'il y avait un vrai changement de comportement une semaine avant. On avait tous l'arrêt au milieu comme ça, on était trop bien coiffés. On arrivait en costard-cravate pendant une semaine. C'est vrai. Arrêt au milieu. Genre, les mecs, ça devient les choristes. On devenait Jean-Baptiste Monnier à chaque fois. Oh, sur ton chemin.
petit détail des circonstances, trois élèves de 3e 1, dont Arthur, sont sortis en courant de la salle de classe vers 11h45, se prenant pour les Totally Spies et prétextant une mission. Le professeur a fait le tour du bâtiment, mais ne les a pas retrouvés. Ils ont donc disparu et ne sont pas revenus en cours. Il nous semble important d'alerter les familles sur ce comportement pour le moins curieux et irrespectueux de ses élèves. J'adore comment c'est raconté. Mais en vrai, le gay, c'est pas, hein. C'est peut-être vraiment les Totally Spies. Hein. Pardon, mais je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas d'Arthur dans les Totally Spies. Un indice. Sam, Arthur et Clover, les Totally Spies. Mais là où ils ont un vrai super pouvoir, c'est qu'ils ont vraiment disparu quand même. Ils sont vraiment partis en mission, genre c'est fou quoi, genre vraiment. Oh, mais moi je veux être dans la classe et vivre ça quoi, genre. On y va les gars. Alerter les parents, c'est-à-dire, excusez-moi messieurs, dames, vos enfants sont les Totally Spies. Suivant. Benjamin a été absent au contrôle de la veille. C'était sa seule absence de la journée. Je lui ai fait remarquer que cette absence isolée, juste pendant mon contrôle, me paraissait suspecte. Il m'a alors répondu très fort « J'avais la diarrhée !» Et comme je le comprends, je lui ai dit ne pas avoir besoin de connaître les détails de son absence. Il m'a répondu « Vous me croyez pas ?» J'étais sûr que vous ne me croyerez pas. Alors j'ai pris des photos, comme ça vous allez me croire. Oh là là. Et il sort son portable pour me montrer les photos. J'ai refusé de regarder les photos. Je lui ai demandé de ranger immédiatement son portable. Le comportement de Benjamin a été une nouvelle fois complètement déplacé. Quelle belle preuve d'honnêteté en fait finalement. C'est vrai. Hein. Après voilà, à tout moment, il a tapé diarrhée sur Google Images. En fait, le problème d'un mec comme ça, comme Benjamin, qui est un véritable con, c'est que le jour où il fait un truc où c'est pas de sa faute, genre il a une diarrhée pendant le contrôle, personne le croira. L'homme qui criait au loup. Absolument. Il semblerait que plusieurs épisodes de dérangements intestinaux aient empêché Artium, bah, Artium, il a le droit de faire ce qu'il veut. Je veux dire, la vie a déjà été dure. Artium, c'est au maximum une entreprise d'énergie qui vend des éoliennes. Chez Artium, nous avons pensé au monde de demain. Voilà, exactement. Merci. C'est ça. Quoi, une énergie plus verte. Nos 36 000 collaborateurs travaillent main dans la main. Ça, c'est Artium. Artium devient Flésus. Et GDF Suez est maintenant Engie. Je l'ai pas. Vous êtes encore là, vous, Étienne et Bulla. Arrêtez d'être copains là. Selon ses écrits, Artium faisait caca afin d'enrichir son vocabulaire et réviser sa conjugaison. Artium conjuguera durant ses 4 heures de retenue le verbe déféquer. Voilà, ça c'est bien. Aller à la selle, faire popo et faire la grosse commission à tous les temps de l'indicatif. Bien joué. Vous avez vu le retard? Je mangeais, je me suis endormi, on m'a interpellé dans la rue, je faisais caca. Il est hyper vrai en fait. J'adore les gens. Ils font pas midi à 14 heures, ils inventent pas une vie, ils disent pas je suis Totally Spies, j'étais en mission, sorry. Je faisais caca. C'est ça Artium. Ça tombe quand la Saint-Artium? Pas souvent. Mais la tondeuse du lycée en vente sur le bon coin. Pardon, j'ai sous-estimé. Moi, je peux pas lui jeter la faute parce que entre les vêtements Space Fox que j'ai mis sur le bon coin, les appareils photos que je suis allé piquer que j'ai mis sur le bon coin. Tu avoues beaucoup de choses. Hein. Bon, moi, c'est dire. Oh là, soulagé, soulagé. C'est drôle de mettre des éléments du lycée sur le bon coin. Ouais, parce que c'est simple en vrai. Oh putain, puis tu mets le numéro de. Puis tu prends le rendez-vous et le gars vient la voir. Non, tu mets le numéro du lycée et à chaque fois ils appellent. Oui, bonjour, je vous appelle pour la tondeuse. Oh, tu donnes tes idées de ouf. Bah oui. En plus, personne peut te traquer. Bah non. Oh. Ça va, c'est gentil. Ouais, mais là, toute la France va le faire. Mais faites-le, c'est marrant. Non, non. Allez. Ladies and gentlemen, c'est la fin de cette vidéo. Non. C'est ça la vraie punition. Franchement, je prends un plaisir de fou à vous faire des vidéos, mais là, j'ai envie de crever. Donc, je vais aller me coucher. C'était une chouette journée. Elle a commencé il y a 2 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Wiz de l'avoir sponsorisé. Vous pouvez télécharger ce fabuleux réseau social. Premier lien dans la description. Thanks, ça soutient directement cette chaîne YouTube. Merci, merci, merci. Merci Thomas. Merci Étienne. Bien sûr, Thomas est déjà sur son téléphone car il a des problèmes d'attention. Allez, gros bisous. Tchuss. Au revoir.